I'm digging you a desert grave underneath the burning sun. I'm digging you a desert grave. You won't be found by anyone. Burying the sins of man in an eternal tomb of sand. Vultures circle in the sky, and you, my dear, are the reason why. Bah, moi, je suis Émile. Je suis le propriétaire de Monsieur Coton. Depuis, ça doit bien faire 3 ans, là. Ouais. Coton, c'est un très bon chat, mais il a passé à travers toutes sortes d'affaires. Hein. Il a une longue histoire. C'est un vieux chat, hein. Il a 16 ans. Hein, mon vieux? Oui. Là, il est à la retraite. Dans la fleur de ses 10 ans, Monsieur Coton s'est fait tirer une balle de carabine à plomb, plein milieu du front ici. Pauvre petite bête, il y avait une bande de jeunes qui s'amusaient à tirer des canettes. Ils ont revu la vieille bête. Ils ont décidé d'y tirer dessus. Ils sont revenus chez eux, cronnant ensemble. Ma grand-mère a capoté un peu. Mais c'est un guerrier, hein, il s'en sort toujours. Fait que là, je vais vous montrer l'environnement de M. Coton. Hein? Ben ça, c'est sa couchette principale. Lui, il passe la majorité de son temps ici. Peut-être 80% de sa journée, il dort dans cette couchette-là. Sinon, il fait son petit chemin ici. Il s'en va s'étendre là. Là, il aime ça renifler ça une fois de temps en temps. Être sûr qu'il est tout seul dans la maison. Après ça, ben il vient manger ici. Ça, ben, c'est son repas, tu sais. Avec son bol d'eau, sa bouffe à chat. Puis ben ici, on a une minouche. Les bonnes whiskas Temptation. Ben oui. Hein, Coton? Oh, c'est ça? Oh! Ah ouais, mon ami. Ouais, Coton, ou ben Monsieur, ou ben Timide, appelez-les comme vous voulez. Il s'est aussi fait ramasser par une voiture. Ça, il était plus jeune un peu. Il t'a passé à lui, c'est un vieux vagabond. Puis là, ben. Pouf, il s'est fait ramasser, c'est ça. Coton, c'est un vrai guerrier. Aucun doute là-dessus. Il est intuable. Il a passé à travers tout ce qui se pouvait pas pour un petit chat. Puis, check-les, on run encore. Coton, c'est un hommage qu'on te fait, mon ami. So hard to get away from the tight grip of death. You tried so hard to run away until your last dying breath. Burying the sins of men in an eternal tomb of sand. Thank you.
Monsieur Coton. Entre la vie et la mort depuis l'éternité.